de la trilling qui a été plantée il y a 60 ans. On a 4 hectares, 2 hectares de muscadelle, 2 hectares de sémillon. Et c'est vraiment atypique la muscadelle à Bordeaux. Généralement dans les assemblages, ça prend 5 à 10% de muscadelle. Et nous, on est à 50%. Donc on a un fruité qui est assez atypique. Ce sont surtout des arômes de fermentation qui va y avoir aussi. Donc on va être sur des notes exotiques, de vanille. Pour le sémillon, on va être sur des notes de pamplemousse, des notes de plutôt d'agrumes. La terre se dessèche très vite, c'est très drainé, on est vraiment sur un coteau. C'est aussi très ventilé, donc les raisins se dessèchent facilement, ce qui nous permet une concentration du sucre sur la parcelle naturelle satisfaisante. Donc ici, on est vraiment sur un sous-sol calcaire. Sur ce sous-sol calcaire, il va y avoir des argiles. Et par-dessus ces argiles, on a de la grave, que vous voyez là, les petits cailloux blancs partout. Et cette grave arrive des Pyrénées. Ce sont des cailloux de roches de la montagne qui ont été roulés par la Garonne il y a des milliers d'années et qui sont arrivés jusqu'ici. Donc on a vraiment un terroir exceptionnel qui nous permet de produire des grands raisins. Et les premiers qui ont identifié ces terroirs-là, ce sont les Romains. We'll be right back.